Bienvenue, bienvenue aux candidats politiciens qui sont présents là aussi. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on célèbre la 22e pour la fête, nous célébrons la fête du crâne. Donc, on est très heureux d'être ici. Et en même temps, on a des invités qui sont venus fêter ça avec nous. Et ça nous fait tellement plaisir. Je commence avec... ça va être Mosef Draghi. Mosef Draghi, député provincial de Nelligan. La centrale est juste ici. Salam alaikum. Bon, salam alaikum. Premièrement, je tiens à remercier le comité organisateur, Serachid, ainsi que tous les bénévoles. Je vais me permettre d'avoir une petite pensée à un ami. Un ami qu'on a perdu la dernière année. Parce que si elle était là, elle sera avec nous aujourd'hui. Donc je vous demande d'avoir une pensée sincère pour l'Arhmon, cher Médizien. Il y a des gens qui m'ont dit, en rentrant dans le parking, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Mehdi au début. Ben moi aussi, parce que Mehdi était synonyme de toute célébration qui touche la communauté marocaine. Et il était là, dans tous les combats de la communauté. Qu'on soit pour célébrer un événement, ou pour aider une famille, ou pour venir en aide à quelqu'un. Donc prenons le temps juste d'avoir une pensée à ces Médiziennes. Deuxièmement, je tiens à souligner la présence de mes amis qui sont présents, donc Denis, Malika, Rachid, cher Sari, M. Desjardins. Et je vais vous suggérer une chose l'année prochaine. Au lieu d'organiser un rallye en voiture, on va organiser un rallye en vélo. Pourquoi? Parce que Denis, il y a 2 ans, nous avons eu la chance de faire Montréal-Québec en vélo. Montréal-Québec en vélo, et on était dans la même équipe. Et ça a été agréable de faire ce parcours pour la fondation de l'hôpital juif. Donc, ça serait une bonne idée pour l'année prochaine, mais je vais quand même vous remercier d'être là aujourd'hui pour souligner une fête chère aux Marocains et à la communauté marocaine. Et je le dis souvent à mes amis, je suis moi aussi marocain d'origine. Il faut s'enraciner dans la culture du pays d'origine, c'est chez vous ici, mais sans se déraciner. Sans se déraciner, parce qu'il faut être fier de qui nous sommes. Nous sommes originaires d'un beau pays, le Maroc. Je le dis souvent, désolé pour les autres villes. Pour moi, il y a une seule ville au Maroc, c'est Marrakech. Je suis désolé. Oh! 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 Casa! 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 J'ai l'habitude de vivre avec ça, mais c'est vrai, il y a Marrakech et il y a les autres villes du Maroc. Merci beaucoup. Merci à Serachid d'organiser cet événement, malgré les conditions sanitaires. Célébrons la réussite de la communauté marocaine au Québec et au Canada. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de nos origines et longue vie au peuple marocain, longue vie à la communauté marocaine et du progrès pour notre pays d'origine, le Maroc. Merci beaucoup. Bravo. 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 On remercie M. Mosef Draghi pour son élocution. Ça nous fait plaisir. Effectivement, on ne sera jamais déraciné, on restera toujours des Marocains. Ache El Malik. Denis Coderre, l'ex-maire de Montréal et le candidat pour les prochaines élections, Monsieur Coderre. Monsieur Coderre.
ce soir, aujourd'hui, c'est Kader. Kader. Je pense que la première chose qu'on doit dire, c'est... Y a-t-il ça? Vous m'entendez? La première chose que j'ai appris, c'est bien sûr Allah Al-Watan Al-Malik. Ce cri d'indépendance des années 30 ont façonné la pensée même des Marocains et des Marocaines jusqu'à leur propre indépendance. Et c'est pas pour rien qu'on fait la fête du trône. Moi, en 1998, j'ai eu le privilège, le premier ministre Jean Chrétien de l'époque m'avait nommé ministre des Sports. Et la première personne que j'ai rencontrée, et ce fut un coup de foudre pour le Maroc, c'est avec le grand Abdelkader Lecheheb, le diplomate, qui a été non seulement au Canada, mais qui a aussi été l'ambassadeur du Maroc au Japon, en Russie et je crois en Chine également. Et c'est à ce moment-là que je suis passé de Kader à Kader. Si je m'appelle Kader, tu ne t'appelles pas Kader, tu t'appelles Kader ici. Alors ça a commencé comme ça. Je me sens privilégié d'avoir comme ami le peuple marocain. Que ce soit comme ministre des Sports, que ce soit comme ministre de l'Immigration, que ce soit comme maire de Montréal ou comme simple citoyen, j'avais toujours une place dans mon cœur pour ce grand peuple, ce qui est un signe d'une belle fédération, d'accommodement, du vivre ensemble. Et que ce soit comme maire avec nos liens avec Marrakech, Rabat ou Casablanca, que ce soit même quand j'étais comme membre de la Fédération internationale automobile, quand on parlait des villes intelligentes, je me faisais un devoir d'inviter Casablanca également. Donc moi aussi, je veux saluer Rachid et toute l'organisation. C'est important de fêter parce que c'est important de reconnaître et de se reconnaître. J'ai aussi le bonheur et la chance de faire de la politique depuis 40 ans. On a des amis. Je salue Marc-Antoine qui fait un travail remarquable. Il y a du jugement, il a déjà été candidat avec moi. Alors, je te salue. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'animosité. La démocratie demande qu'on puisse parler des enjeux et je suis content qu'il soit ici également. Il y a sa présidente également, Nawal, qui se présente avec son équipe. J'ai une équipe évidemment formidable avec Abdelak Sari, qui est notre porte-parole en matière de sécurité publique. Et avec lui, on se sent bien en sécurité aussi. C'est quelqu'un qui est pour le vivre ensemble également, qui s'assure d'avoir cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance. Avec ce que nous vivons présentement, tant sur le plan mondial que local, nous avons besoin de vigilance. Et c'est avec des hommes comme Abdelak qu'on va faire de grandes choses. Je suis très heureux d'avoir comme nouvelle candidate avec moi Malika Dehaoui. Malika va être dans le centre-ville. Le centre-ville a besoin d'amour, a besoin de rehaussement. Et avec sa grande capacité entrepreneuriale, sa grande force dans la diversité, elle va pouvoir être une digne représentante également. Alors, je veux tout simplement vous remercier, vous dire que je vous aime. Montréal a besoin de redevenir une métropole forte. Et on n'a pas besoin d'être de mettre les quartiers contre la métropole. On est capable d'avoir des quartiers vibrants, des quartiers où il faut bon vivre, mais en même temps, une métropole qui rayonne, qui joue son rôle sur le plan québécois, sur le plan canadien et international. Et très certainement, comme votre futur maire, je vais m'assurer qu'on puisse garder ces liens entre le Maroc et Montréal. Alors, Inch'Allah, merci à tous. Shukran. Vive le roi. Merci beaucoup. Merci, M. Kader. Nous aussi, on est fiers d'être amis avec vous. Elle a toujours été un soutien à travers Sirachid. Merci encore parce que vous êtes là pour célébrer avec nous la 22e fête de Crâne. Là, je passe la parole à notre candidat de la mairesse de la mairie de Montréal, excusez-moi, Marc-Antoine Desjardins. Merci de la belle occasion pour vous rencontrer. Je suis Marc-Antoine Desjardins, chef d'un nouveau parti qui s'appelle Ralliement pour Montréal. Ça fait plaisir de voir tout le monde ici de nous. C'est un parti. Ralliement pour Montréal, le nom nous dit, c'est un parti qui est là pour rallier les gens, pour qu'on arrête de se chicaner. On a vu par le passé que certains partis politiques avaient des luttes entre certains arrondissements et la ville-centre, effectivement, comme Denis l'a mentionné. On est rendu à une époque où on doit travailler tout le monde ensemble pour redonner une impulsion à notre ville. Et c'est des communautés comme vous, c'est l'apport de l'immigration,
au Québec, la richesse culturelle des gens qui viennent, qui décident de venir vivre ici. Alors moi, je veux vous féliciter d'avoir choisi de vivre ici à Montréal et non pas ailleurs. Vous êtes ici chez vous. Ralliement pour Montréal veut justement souligner la part de tous les Québécois et tous les Canadiens qui décident de vivre ici. Nous sommes tous, toutes les Québécois de racines et de branches. Nous faisons partie du même tronc commun qui est le Québec. Montréal n'y échappe pas. Alors, je veux vous féliciter. On veut aussi souligner la fête de votre grand roi, Mohamed VI. Hein, son Malik! 22 ans! Mon Dieu! Peut-être que je vais me rendre à 22 ans quand je vais devenir maire de Montréal, mais c'est beaucoup. On va commencer avec un mandat. Et bref, c'est quand même tout un rêve. Alors, je veux vous féliciter, vous remercier de me permettre d'être ici avec vous. Et je vous invite à aller sur notre site web rpmtl.org si vous voulez connaître un peu nos cités. On est vraiment un beau parti ouvert sur le monde, fier de ses racines et fier de ses branches, fier du Québec et fier de Montréal. Merci beaucoup. Abdo, vas-y. Non, mais avant que je lui donne la parole, je tiens à souligner en grand les madames du FI au féminin, elles vont se présenter pour les élections dans des villes canadiennes, particulièrement à Québec. Je vais nommer Hafida Daoudi à Laval, Noël Parchi. Quoi dire après cette belle introduction? Ben écoutez, tout simplement, j'aimerais bien aussi saluer la présence de mon frère, Monsef Tadji, de la part aussi de notre chef Denis Coderre. Bienvenue parmi nous, Monsef, et de la famille. Alors aussi une bonne pensée pour mon frère, mon ami qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais Diziani. Allah yirhamou, Allah yusali fat sa'a, wa yadhum afat sa'adi, ça c'est très important. Alors, il y en a qui sont très très fiers de leur ville, mais on est tous fiers d'être d'origine marocaine. On n'est pas des... une communauté marocaine. On est des Canadiens, Québécois, Montréalais, Montréalaises, mais d'origine marocaine dont on est fier. Mais la question, pourquoi? Le Maroc est un symbole du vivre ensemble. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Quand on va au Maroc, on voit toutes les religions qui sont passées par ce pays, puis qui sont toujours vraiment, on est fier de ce pays parce que là où il y a vraiment une leçon du vivre ensemble. Ça, c'est de un. De deux, allez voir juste Rabat comme la meilleure ville qu'on peut avoir au monde, juste au côté urbaniste. Ça, c'est vraiment une et un pays, Gaza, non, mais, Gaza, c'est Gaza. Qui est bien orienté avec vraiment des bonnes directives de Sa Majesté le Roi Hassan II, Mohamed VI. Après 22 ans de règne, on ne peut dire que le Maroc est vraiment sur l'échiquier mondial. Il est vraiment très bien placé en ce qui est développement économique, en ce qui est développement commercial. Le Maroc est très, très bien placé. Ne serait-ce que pour voir comment le Maroc a géré la crise du Covid-19, ne serait que voir comment on est avancé dans la vaccination. On doit être fier d'être d'origine vraiment de ce beau pays qui est le Maroc. Et bien évidemment, on reste toujours des Montréalais, Montréalaises, Québécois, Québécoises et encore une fois Canadiens, Canadiens d'origine marocaine. Et je tiens à remercier aujourd'hui un monsieur qui m'est très cher, monsieur Denis Coderre, parce qu'il a donné l'occasion au premier maghrébin, africain, marocain, musulman à rentrer à leur conseil de ville en 2017. Et on tient en votre nom de lui dire merci, parce que c'est avec lui qu'on peut dire qu'on a vraiment de l'inclusion. C'est avec ce monsieur-là qu'on peut avoir, peut dire qu'on a de la diversité, parce qu'il y croit vraiment et on peut le challenger là-dessus. Et il est vraiment au rendez-vous. Encore une fois, merci monsieur Coderre. Et je peux remercier encore une fois le comité organisateur. Il ne faut pas oublier cher Hassan Elbe. Rachid Najahé. Et je vois Hassan, c'est toujours lui qu'il faut remercier. Et les frères Boulal et tout le comité organisateur. Merci encore une fois. Écoutez, c'est
c'était pas prévu que le candidat prenne la parole. Mais écoutez, il ne suffit pas de les nommer, mais il faut qu'ils prennent la parole. C'est qu'elles parlent de leurs ambitions politiques. Puis qu'on croise les mains, on croise les doigts pour qu'ils gagnent. Ouais. Passe Malika en premier. Merci. Moi, ce ne sera pas long. Je vais faire ça. Abdelhak, elle parle de Rabat, il y en a qui parlent de Kaza, j'ai même entendu Kaza. Mais on n'a pas parlé de Raja. Écoutez, moi je voulais juste vous dire, je suis extrêmement fière, très honorée, je suis le premier comme Lyon. On est vraiment fiers d'être Montréalais. Qu'il y ait des gens de l'avant, vous êtes les bienvenus aussi. On est le parti de l'inclusion. Hein. On est l'inclusion. Alors, je voulais juste vous dire un grand merci. Et la fête de 30, pour moi, c'était toujours une fête de rassemblement, de partage, de retrouvailles. Et moi, personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant. Je me sens fébrile. Et juste me retrouver avec des Marocains aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Je voulais juste vous dire un grand merci. Et je suis contente d'avoir un Rajaoui en arrière. Là. هادي باين عليها رجاوية رجاوية هادي حافظوي دادية ماشي ودادية وهي قالت رجاوية انت ودادية وي انا لا مليفا ماشي ودادية بحال انا مربع ودادية Je suis heureux de
Raji qui est trop occupé pour m'appeler. Et puis naturellement, M. Koder, M. Sari, Malika. Et puis encore une fois, Rizach Majid. Shukran. J'espère que l'amitié un jour entre l'Algérie et le Maroc va se concrétiser. Merci beaucoup Nawel. Yahya El Malik. Yahya El Malik. Aïd Arch Majid, Sami El Maghrib Al Hadri Mana. Là c'est le maestro qui doit parler. Mais je tiens à remercier Monsieur Rachid Najahi, le maestro de cet événement. Merci Monsieur Rachid Najahi. ويلي حي حي دو رافي واو فرقع الميكرو ديما مغرب وفيف لو ماروك وعاش الملك ديما مغرب السلام عليكم je vous aime